Madame, monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal pour suivre l'actualité de ce week-end. Et ce soir, nous ouvrons cette édition avec la situation insurrectionnelle sur l'île d'Anjouan aux Comores. Après une semaine marquée par des échanges de tirs entre l'armée nationale et les insurgés, des discussions entre les deux parties ont été amorcées pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu. Quelle est la situation actuelle? C'est l'objet de l'entretien téléphonique que nous avons réalisé il y a quelques instants avec un habitant sur place. Je vous propose de l'écouter. Il y a des négociations qui ont eu lieu depuis avant-hier entre les insurgés et le pouvoir en place. Quelle est la situation? Est-ce que les armes ont été rendues? Est-ce qu'un accord a été trouvé entre les deux parties à l'heure où on se parle? Alors, on se parle, le seul accord que je connaisse, c'est le protocole d'accord qui a été signé hier le 19, que vous avez certainement copié. En ce qui concerne le ramassage des armes, je pense que l'armée, d'après les informations que nous avons, est entrée dans la Médina depuis quelques heures et est en train de chercher à récupérer ces armes-là auprès des jeunes qui étaient armés. Bon, jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne sais pas ce qu'ils ont eu comme résultat. Et est-ce que justement ces personnes qui sont armées à Médina, est-ce que ces personnes-là sont prêtes à rendre ces armes justement? Pour le moment, je ne sais pas ce qu'ils ont déclaré, mais lors de nos négociations antérieures, ils auraient demandé au gouvernement de leur garantir un sort. Vous voulez savoir, de la part du gouvernement, quel serait leur sort s'ils rendaient les armes. Et dans le protocole d'accord, le président de l'Union, selon la délégation qui l'avait mandatée, s'était porté garant de leur liberté une fois qu'ils rendraient les armes. Et à l'heure actuelle, pour le moment, rien n'est concret. On ne peut pas savoir si vraiment la situation est redevenue stable. C'est bien ce que vous dites. Oui, l'opération militaire est en cours. Je ne suis pas informé si elle est achevée ou pas. Donc, je ne peux pas vous dire exactement quels en sont les résultats. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des échanges de tirs aujourd'hui? Non. À ma connaissance, non. Et d'après les informations que je détiens d'un représentant gouvernemental, il n'y a pas eu d'échange de tirs. D'accord. On va dire que les négociations se poursuivent alors dans ce cas-là. Je ne sais pas s'il y a des négociations, mais en tout cas, il y a la recherche à récupérer ces armes. Abdourahman Bakar, membre de la cellule de crise à Anjouan du théâtre pour lutter contre l'illettrisme. Voici un projet de la Croix-Rouge en partenariat avec Shababi Project. Ensemble, ils ont réalisé une mise en scène pour les problématiques majeures qui touchent le département. Singularité, les acteurs de ce scénario sont justement les bénévoles de la Croix-Rouge, des personnes qui rencontrent des difficultés à parler et à écrire la langue française. Une pièce de théâtre a eu lieu ce matin à Passamaïti en présence de Yasmine Jaffar et Anastasia Laguerra. Des vendeurs à la sauvette à proximité de jeunes toxicomanes. Une jeunesse en perdition, plongée dans les ténèbres du chimique et de l'alcool. Moi, je m'en fous de vous. Moi, je suis mieux que ta fille. Bande de commères. Cette pièce de théâtre rassemble les fléaux majeurs qui gangrènent la société mahoraise. Ses parents ont raté l'éducation de leur fille. Ils assistent désarmés à son agonie. Ces acteurs d'un jour sont des bénévoles de la Croix-Rouge. Dans cette représentation, ils font d'une pierre deux coups. On utilise l'art du théâtre pour les aider à s'exprimer en public parce que c'est pas facile de parler en public alors qu'on est jugé par d'autres personnes. Généralement, j'ai pas l'habitude parce qu'il y a la ridiculité qui domine, la timidité. Mais à partir de ça, je vois que tout a changé. Par contre, pour débloquer les paroles, il faut que je multiplie avec les autres, avec des amis, alors qu'à la maison, on utilise notre langue maternelle. Comme on n'a pas pu aller loin à l'école, mais aujourd'hui, on peut quand même. Moi, je n'étais pas comme ça. Mais grâce à Shababi, avec ce projet,
Je suis quand même, je peux m'expliquer n'importe où, même si je fais des erreurs, des fautes, mais je serai capable de m'expliquer n'importe où. L'illettrisme, une véritable barrière qui handicape 63% des femmes et 53% des hommes à Mayotte. C'est le cas de ces bénévoles de la Croix-Rouge. Et quoi de mieux que le théâtre pour faire tomber cette barrière? Après ces séances de répétition, les langues se délient. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi toujours ma fille? Pourquoi pas la fille de l'autre? Pour aider à évoluer, mais aussi de se rendre utile, de se dire que voilà, je suis là à donner mon temps à la Croix-Rouge, mais aussi quelque part en contrepartie, c'est de pouvoir m'investir et aussi m'informer et aller de l'avant, de l'avenir. Ils se sont représentés sur une petite scène devant un public moindre, mais ces bénévoles de la Croix-Rouge sont sortis grandis. Ils terminent la pièce avec le sentiment d'avoir accompli un travail énorme sur eux-mêmes. Direction La Réunion à présent avec le plus grand événement sportif de l'année qui tient en haleine toute la population. Je vous parle du Grand Raid bien sûr, plus de 2000 participants pour cette édition 2018. Et cette année, la Diagonale des Fous a deux vainqueurs, François Denne et Benoît Girondel. Ils ont franchi la ligne d'arrivée main dans la main, un duo qui est resté soudé pendant 45 km. Retour sur ce parcours triomphal avec Nathalie Rougeau. Ils sont là, à quelques mètres de l'arrivée, si proches de la victoire, de la fraternité sur l'esprit de compétition. Après s'être mesurés, doublés, disputés la première place, François Denne et Benoît Girondel arrivent main dans la main au terme d'une course folle de 23h, 18 minutes et 41 secondes. Une victoire que les deux grands favoris apprécient de savourer ensemble et jusqu'au bout. Le règlement prévoit des arrivées de concurrents en même temps, c'est le cas. Donc en principe, c'est celui qui est le plus âgé qui précède l'autre. Sauf renonciation de l'un ou de l'autre à cette règle. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous arrivez ensemble, c'est parfait, la main dans la main. L'esprit du trail est bien là. Moment de partage et de fête quand les deux plus fous des raideurs sabrent le champagne pour célébrer une union sacrée. Un pacte scellé par ces héros du jour dans les tout derniers kilomètres, chemin Ratineau à la possession. Allez, Benoît ! Quand il m'a rattrapé, il m'a proposé directement qu'on termine ensemble. Et c'est vrai que c'était un moment où j'étais pas très très bien et qu'il allait beaucoup plus vite que moi. Donc j'avoue que ça me gênait beaucoup d'être un petit peu le poulet du truc. Et j'étais un petit peu plus confiant sur ma fin. Et donc voilà, c'était avec grand plaisir que du coup Le sport, ça reste vraiment un jeu et du coup je le prends comme ça et c'est vrai que c'est assez sympa comme ça. Avant cet accord, les deux favoris du Grand Raid 2018 se sont pourtant livrés à un duel sur les sentiers et particulièrement dans les 45 derniers kilomètres. Parti en même temps, François Denne a réussi à creuser l'écart sur son rival tout en jouant un chassé-croisé dans Mafat avec le troisième Maxime Cazajou. C'est quasiment, peut-être 80 km avec Maxime et 50 avec Benoît, enfin, peut-être pas 50, mais 45 avec Benoît. Hier soir, François Denne et Benoît Girondel ont gravé leur nom dans l'histoire des couples mythiques de la Diagonale des Fous. Leur succès commun marque aussi le triomphe de l'esprit sportif. Bravo, on revient chez nous avec le retour à Mayotte de l'association traditionnelle Nourumi Nourulah de Kanikeli. Elle revient aujourd'hui d'un séjour de 15 jours à Madagascar, à Majenga. Une délégation de 70 personnes avait fait le déplacement pour aller mettre en avant le Maoli d'Achengue. Sur place, les membres de l'association nous ont confié avoir reçu un chaleureux accueil. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la promotion des chants traditionnels dans la région et notamment dans les localités où la pratique de cet événement culturel n'est pas beaucoup développée, comme c'était le cas à Majenga. Je vous propose à présent un extrait du Chengue à leur arrivée à l'aéroport de Pamandi. Ce samedi, les images sont signées Asadi Razafitehen.
Et c'est sur ce rythme du Maolida Shenge que nous refermons notre édition de ce samedi soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans un court instant pour la version mahoraise du journal. Belle soirée à tous avec la première.